a gagné. Libreville en joie, Libreville en joie. Merci, merci. Bonsoir à tous, comme vous pouvez l'écouter derrière moi, les Gabonais sont complètement déchaînés après ce match face au Ghana qui s'est terminé sous le score de 1-0. Mais ce match nul représente quelque part une petite victoire pour le Gabon qui compte maintenant 4 points au sein de cette poule et est deuxième derrière le Maroc qui est qualifié après sa victoire face au Comores. Donc les supporters gabonais sont complètement déchaînés. Égalisation du Gabon. Voilà. Ça chauffe au Ghana. Voilà. Photographes, supporters, les joueurs, ils sont complètement heureux après ce match nul face au Ghana. Vous l'avez vu à la fin du match, ça a été chaud parce que les Ghanéens, bien sûr, déçus de ce match nul, qui les emmène donc à la troisième place avec seulement 1 point. Et le Gabon qui est deuxième avec 4 points est quasiment qualifié. Le Maroc est qualifié, vous le savez, après sa victoire face au Comores avec 6 points. Donc la troisième et dernière journée sera vraiment, vraiment intense puisque le Ghana a besoin d'une victoire pour espérer, pourquoi pas, passer en meilleur troisième ou en deuxième, on le verra. Mais sinon, cette poule qui est très relevée promet d'être très intéressante jusqu'au bout. Je vous laisse profiter donc de ces supporters qui sont, comme je le disais, très heureux.